es a doble faz como los dos rostros de una moneda. He aquí dos historias para ilustrar el lado cara y el lado cruz. Empecemos por cruz. Estamos en un pueblito en alguna parte de Canadá. En aquel pueblo, el hostal de la Calesa se ubica frente a la estación de ferrocarril. Es el lugar donde a los aldeanos se les gusta reunirse para charlar sobre los últimos chismes, comentar las noticias, pasarlo bien entre amigos. Aquella mañana llega una señora. Bonjour. Oh, bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Pourrais-je réserver une chambre pour ce soir? Je suis venue dans la région régler deux, trois affaires et j'ai aucune idée du temps que ça va prendre. Alors, comme j'ai peur de manquer le dernier train, je préfère avoir une chambre au cas où. Qu'êtes-vous prenez là pour ça, chère dame? OK, je vous réserve une chambre. Je vois que vous n'avez pas de bagages. Alors, ce sera 50 $ s'il vous plaît. Certainement. Excusez la déchirure. Je l'ai réparée avec un peu de papier collant. Pas de problème, chère dame. Ça fait tout autant l'affaire. Parfait, alors. À ce soir. À tantôt. Elisabeth. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon boulanger préféré? Eh bien, je te rappelle que t'as toujours pas payé le gâteau que j'ai fait pour ta fille l'autre jour pour son anniversaire. Oh. 50 $ justement. Alors, le beau billet que t'as là serait tout aussi bien dans ma caisse. Hey, tu fais bien de me le rappeler, hein? Je suis désolée, j'avais complètement oublié ça. Eh bien, c'est pas tout ça. J'ai du pain sur la planche. Alors, je retourne à mes fourneaux. Bonne journée. Bonjour, bonjour! Bonjour, comment vas-tu ce matin? Ça va bien. J'arrive de prendre mon petit café puis je retourne à ma boutique. Mais j'y pense, je vous dois encore ma dernière visite. Hein? Oui. C'était combien? C'est pour quel soin? Ah, ben, c'est pour une réparation d'un plombage. C'est 50 $. Ah, ben justement! Voilà! Ben merci beaucoup. Hey, bonne puis, journée. Ben bonne journée à toi, puis je dirai à ma secrétaire que c'est réglé. Excellent, merci. Bonne journée. Au revoir. Sylvie, à quelle heure mon prochain rendez-vous? J'ai un peu de temps de libre. Je vais en profiter, puis je vais aller payer mon garagiste. J'en aurai pas pour très longtemps. À tout à l'heure. Alors, satisfait de la dernière commande que j'ai faite pour toi, Gilles? Très satisfait. Bon savon? Oui. Excellent. Bonjour, Gilles. Bonjour. Quel bon vent t'amène? Un problème avec ta voiture? Un vent que tu vas aimer. Je m'en viens régler ce que je te dois. Ah oui? Je pense que c'était 50 $. C'était juste une vidange, hein? Oui, juste une vidange. Bien, c'est parfait. 50. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye. Mon cher Dominique, ça tombe bien. Je te devais 50 $ pour le savon liquide que tu m'as livré l'autre jour. Oui, 50 $ bien juste. Merci, ça tombe très bien. Et voilà. Bon, où j'en suis rendu? Prochain rendez-vous, peut-être un peu trop loin, j'aurai pas le temps de me rendre. Peut-être passer la nuit ici. Ouais, c'est une bonne chose, je repartirai tôt demain matin. Pourquoi pas? Hein? Voilà la calèche. C'est la meilleure place dans le coin, en plus, ils sont pas chers. Oui, j'ai entendu parler de ça, ça a l'air que c'est bien. Bon, allez, je me sauve. Même commande la semaine prochaine? Oui, mon Dominique. Merci, Gilles. Merci, Dominique. Bonjour. Oh, bonjour. Ou bonsoir, plutôt. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous auriez une chambre de disponible? Non. Je suis désolée, mon pauvre monsieur, mais j'ai rien pour ce soir. L'hôtel est complet. Non, regardez. J'ai fini plus tôt que je pensais. Et puis, j'ai tout le temps d'attraper mon dernier train. Donnez donc ma chambre à monsieur. Ah, ben tout est réglé d'abord. Ce sera 50 $, s'il vous plaît. Avec plaisir. Et voilà. Oh, je vous remercie. Voilà pour vous. Ah, mais c'est mon billet de 50 $ que je vous ai remis ce matin. Ah oui? Comment voyez-vous ça? Ben, vous vous souvenez? Je vous avais dit qu'il était déchiré et que je l'avais réparé. Il est reconnaissable. Mais vous êtes donc bien riche, vous, pour vous permettre de déchirer les billets de 50 $. Aucune importance. Il était faux.
que l'enseignement que nous enseigne esta primera historia. Esta moneda de promesas vanas pagó las deudas de la pequeña comunidad. En efecto, el hecho de saber que el billete es falso no cambió nada a la satisfacción de toda la gente y todos consideran ser pagados. Fíjese, así la moneda, al contrario de lo que pensamos, no tiene ningún valor propio. Solo es un poco de tinta en un pedazo de papel o, mejor todavía, algunos electrones paseando por una pantalla del ordenador. La moneda no tiene valor propio, solo traduce el valor que damos a las cosas. Si aceptamos estos papelitos sin valor propio, es porque bien sabemos que también los otros los aceptarán como pago. Pues podemos entonces deducir que la moneda es una simple convención social basada en la confianza. Basta con que un grupo de personas coincidan en una unidad de cuenta y que todos los miembros del grupo se comprometan en aceptarla como pago. On dit toujours le plus difficile, c'est de trouver de l'argent. Pas du tout. L'humanité a vécu pendant des centaines de milliers d'années sans argent, et c'est pas pour ça que le processus de l'évolution s'est arrêté. L'argent est une pure convention. L'argent n'a aucune valeur en tant que tel. La seule valeur qui est donnée par l'argent, c'est l'échange entre des êtres humains qui se font confiance. Aquí estamos en una isleta desconocida donde no existe el dinero. Un hombre entra donde un carpintero. Hey, bonjour, Paul. Hey, salut, Jean. Comment ça va? Très bien, très bien. Dis-moi, je voudrais offrir à ma fille un petit meuble de rangement pour sa chambre. J'ai dessiné ce que je voudrais sur ce bout de papier. Pourrais-tu me faire ça pour, disons, dans deux semaines? Ouais, c'est tout à fait possible. Mais il y a un petit problème. Écoute, j'apprécie que tu viennes me voir dès que tu as besoin d'un travaux de menuiserie. Mais nous ne parvenons pas à équilibrer nos échanges. J'ai beau prendre à ta force tout ce dont j'ai besoin, poignées, charnières, serrures. Le trou se creuse. Tu me dois de plus en plus. C'est pas que ça me gêne de te faire des avances, mais mes besoins avec ce que tu peux m'offrir ne seront jamais comblés. Et pendant ce temps, je n'arrive même pas à changer mes souliers. Regarde. Ah oui, c'est vrai. J'ai moi aussi le même problème avec d'autres personnes. À certaines, je dois plus comme à toi, alors que d'autres me doivent plus sans que jamais on parvienne à l'équilibre. On fait tous des avances qui sont rarement compensées, de sorte que les échanges deviennent de plus en plus difficiles et qu'on manque de choses qui pourtant existent et sont disponibles. Tu as raison, il faut en sortir. Et si on allait voir un des membres de notre conseil des sages? Oh, c'est une très bonne idée, allons-y. Vous tombez bien, mes amis. Figurez-vous que, conscient du problème que vous venez de m'exposer, nous l'avons justement étudié. Et nous nous apprêtions à soumettre l'idée suivante aux habitants de l'île pour l'approbation. À savoir que nous allons créer un organisme collectif chargé d'émettre des reconnaissances de dette transmissibles représentant le travail fourni, mais non compensé. Je comprends pas. Nous avons toujours évalué notre travail au temps passé pour le faire, n'est-ce pas? Regarde, cet billet de 10 unités de temps. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Nous, communauté de l'île aux fleurs, reconnaissant que le porteur de ce billet a fourni un bien ou un service d'une valeur de 10 unités de temps sans avoir rien reçu en retour. Il peut donc aller chercher dans notre communauté satisfaction de ses propres besoins à hauteur de cette valeur. Je comprends. Il me suffit de remettre à Paul les unités temps que je lui dois, sous forme de ses billets. Il pourra alors changer tout de suite de souliers, sans plus attendre, en remettant au savetier le nombre d'unités correspondant aux chaussures qu'il choisira, et ainsi de suite. Mais comment vais-je faire pour me procurer ces billets? Tu as dit que d'autres personnes te doivent des choses pour équilibrer vos échanges, et que c'est ainsi pour tout le monde sur l'île. Donc, tous les habitants vont être invités à se présenter à cet organisme avec l'indication de ce que les autres leur doivent en unité de temps, comme nous avons l'habitude de le faire. À chacun sera remise la même valeur sous forme de billet. Plus personne ne devra plus rien à personne. Et à partir de ce moment-là,
vous aurez entre les mains un moyen d'échange qui vous permettra d'acquitter immédiatement ce que vous recevez en permettant aux autres d'aller chercher dans la communauté ce que vous ne savez pas ou ne pouvez pas leur fournir. Si je comprends bien, ces billets que vous allez nous remettre sont en fait une reconnaissance de dette de la communauté en remerciement d'un travail effectué par chacun, transmissible à travers la communauté. C'est exactement ça. Mais comment va s'appeler cet organisme communautaire chargé d'émettre les billets? La burette. La burette? Ben, c'est un outil pour mettre de l'huile, ça. Outre le fait que ce sont les initiales pour le bureau de la reconnaissance de tout le travail effectué, ne s'agit-il pas de mettre de l'huile dans le rouage grippé de nos échanges? Qu'est-ce que la compréhension de la... Qui pone de manifiesto la comprensión de la naturaleza de la moneda. Cuando el dinero no tiene ningún valor de por sí, el valor falso que le concedemos conduce al hombre a considerarlo como primera riqueza hasta tal punto que nuestra principal obsesión es poseerlo. Piénselo. Si mañana usted es un multimillonario perdido en el desierto, teniendo mucha sed, muy rápidamente se dará cuenta de que la riqueza es, en este caso, el agua y no los millones. Esta inversión del valor de las cosas tiene como consecuencia que, en nombre de las ansias de dinero, riqueza simbólica, la verdadera riqueza, la que nos regalará gratuitamente la tierra, valorizada por el trabajo humano, resulta depreciada. Así se saquea el planeta y se domina al ser humano. ¿Cuándo es la sociedad que de manera lógica nos debe dinero en agradecimiento del trabajo que le proporcionamos? Lo que implica que a ella sola le toca el deber y el poder de ponerlo en circulación gratuitamente al nivel que le corresponde, esta representación que uno se hace internamente obligó a los pueblos a pedir préstamos contra interés para el pago de su propio trabajo. Si las consecuencias ambientales y humanas no fueran tan dramáticas, podríamos reírnos. Pero puesto que la vida misma es amenazada, vale la pena romperse la cabeza para comprender cómo hemos edificado los muros de nuestra prisión. Para eso es necesario volver un poco atrás.